Demande ce que tu veux. Que me sera-t-il donné qui soit meilleur que Dieu ? Il te l'a proposé. Demande-lui ce que tu veux. Si un empereur te disait « Demande ce que tu veux comme tu réclamerais des dignités de tribun ou de comte », quelle richesse tu projetterais de recevoir et de distribuer à d'autres ? Or, c'est Dieu qui te dit « Demande ce que tu veux ». Que vas-tu donc lui demander ? Réfléchis bien. Dilate ton avarice, fais-toi aussi gourmand que tu le peux, élargis ta convoitise. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le Tout-Puissant qui t'a dit « Demande ce que tu veux ». Si tu as des goûts de propriétaire, tu désireras la terre entière, afin que tous ceux qui l'habitent soient tes colons ou tes esclaves. Mais que posséderais-tu avec la terre entière ? Tu demanderas à la mer, mais tu ne peux pas y vivre, de sorte qu'avec cette avarice-là, les poissons l'emporteront sur toi. Peut-être aussi posséderas-tu les îles. Alors, tant que tu y es, demande à posséder l'atmosphère, bien que tu ne puisses y voler. Étends ta convoitise jusqu'au ciel, dis-toi, propriétaire du soleil, de la lune, des étoiles, puisque celui qui a fait toutes choses t'a dit, demande ce que tu veux. Eh bien, tu ne trouveras rien de plus précieux, rien de meilleur que celui-là même qui a fait toute chose. C'est lui qu'il faut demander. Et en lui, et le recevant de lui, tu auras aussi tout ce qu'il a fait. Toutes choses sont précieuses, car toutes sont belles. Mais quoi de plus beau que lui ? Elles sont remplies de force. Mais quoi de plus fort que lui ? Et il ne veut rien t'en donner que se donner lui-même.